There's no new look which you're awesome. Ça tombe bien pour toi. De la pléthore des feuilles de chou qui encense l'espagnol multinational depuis 2000 années s'ajoute le point. Je peux simplement arriver sur la fameuse page en question. Ça part. C'est-à-dire... Ah, et là, ça part. Pas mal ça. Tu viens ça, tu vois bien là? Mm-hmm. Bon alors, donc j'arrête ici 7. J'arrive quand ça va marcher. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Bon, et puis donc je te passerai les pages. Je commencerai par ça. D'accord. Okay. Comme tu veux. Ouais. Ça tourne. Ça tourne? Mm-hmm. There's no new look which awesome. There's no new look which awesome. There's no new look which awesome.
nagyon örülök, hogy hazam. Hogy hazam. Clavetez un peu sur la droite. Soupienne le clavier. Voilà. És nagyon örülök, hogy hazam. Je tourne. Tu tournes ? Ouais. Je suis un heureux que je fasse. Je suis un heureux que je fasse. Pas trop, pas trop. Comme ça, c'est bien. Alors, attends. Ah, pardon. Comme tu veux. Je peux mettre de la musique. T'en refais-le parce que j'ai parlé. Bon, on tourne. Quand on entre ici, on a l'impression de découvrir la caverne d'Ali Baba. Un Ali Baba de la technologie, c'est quoi cet endroit pour vous? Ça représente quoi? Bah ici, c'est un petit peu, c'est entre la caverne d'Ali Baba et le bunker et la chambre à coucher. C'est-à-dire c'est à la fois un endroit professionnel, à la fois un endroit secret. C'est l'endroit finalement où je m'amuse, où... et puis je souffre aussi des fois un petit peu, c'est un peu laborieux. Et effectivement, je passe les trois quarts de ma vie, ou la moitié de ma vie en tout cas ici, soit là, soit à côté, soit juste derrière, là, sur le canapé ou sur le lit de camp, quand vraiment je suis à la bourre. Ça veut dire que vous vous enfermez ici des jours entiers? Oui, bah c'est ce qu'il faut, parce que finalement, on est effectivement, j'habite à 12,50 m d'ici, mais quelquefois, j'ai même pas le temps d'y rentrer pour dormir, donc je m'écroule dans un coin quand je peux plus, et puis je dors 2-3 heures, et puis je repars. Comme en général, je suis éternellement en retard, donc, et que je m'y prends au dernier moment, donc je prends un peu sur le sommeil. J'aime bien travailler la nuit en plus. Puis l'avantage dans un endroit comme ça, c'est qu'il y a finalement, la lumière est toujours la même. Ça pourrait faire hurler beaucoup de gens, mais finalement, c'est vrai que c'est un avantage. On ne sait pas s'il est 5 heures de l'après-midi ou 5 heures du soir. C'est ce qui fait qu'on oublie vite les horaires. Mais quand on voit ce déploiement technologique, on se dit que on sort un petit peu de la musique au sens traditionnel du terme. C'est encore de la musique, c'est quoi? Alors évidemment, tous ces instruments, quand on les voit comme ça,
maintenant ça devient un cliché de dire que ça ressemble à au, que ça que, qu'on, qu'on, que ça ressemble à un standard téléphonique ou au bureau d'information ou de réservation d'Air France. Et en fait, je crois que ça, ce sont des clichés maintenant qui sont un petit peu dépassés, puisque pratiquement 80% de la musique qu'on écoute est faite avec ce genre d'instrument. Ce qu'on voit ici, et en fait, ce sont des instruments comme les autres, quoi. Simplement le look qui change. Mais les ingrédients qui entrent dans la musique, entre guillemets, c'est tout sauf de la musique. Enfin, c'est éventuellement de la musique, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Alors, l'avantage des instruments, c'est que ça permet effectivement de ne pas se cantonner au son de guitare, de piano, etc., mais de rentrer un petit peu ce qu'on veut, rentrer les sons de la vie, rentrer les gens qu'on aime, les gens qu'on aime moins, pour les faire souffrir ou pour les aimer. Enfin, bon, y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire avec ces instruments qu'on peut évidemment pas faire avec un piano ou une guitare. Ce qui est parfois bien agréable et parfois une torture. Ça dépend ce qu'on a à dire, ça dépend comment on veut le dire et ce qu'on veut en faire. C'est encore un travail de musicien ou c'est un travail de chercheur? En tout cas, ces instruments-là sont effectivement complètement des instruments de musique, et je me considère beaucoup plus comme un musicien, comme un technicien, bien que ce soit des instruments qui fassent appel à une certaine technologie. Mais l'avantage de ce genre d'instrument, c'est le fait que finalement, on devient de plus en plus comme la personne qui est derrière la caméra, là. C'est-à-dire un peu comme un metteur en scène de son, plutôt comme un musicien comme on l'entendait au siècle dernier. C'est-à-dire que pour moi en tout cas, j'ai l'impression, pas uniquement parce que j'utilise des écrans vidéo ou des choses comme ça, mais d'avoir une attitude beaucoup plus visuelle vis-à-vis de la musique à cause de ces instruments, parce qu'on peut finalement mettre en scène des sons un peu comme on mettrait en scène des personnages. Et ça, je crois que c'est une attitude un petit peu nouvelle dans la musique. Enfin, pour moi. Ça tourne. On aurait tendance à penser quand même que c'est quelque chose qui ressemble à de la musique de robot, non ? La musique de robot, on peut la faire avec un clavecin, il y a des exemples connus. Et moi, mon seul critère en fait de choix de son, c'est ceux qui me font dresser les poils sur la peau. Ceux qui finalement produisent une émotion. Je crois que finalement, si on a quelque chose à dire ou si on a une émotion à exprimer, on peut l'exprimer aussi bien à travers ce genre d'instrument qu'avec une flûte à bec. C'est un problème de génération, c'est un problème de culture. Je veux dire qu'il n'y a absolument pas de, il y a absolument pas d'a priori, pas de principe. C'est ça qui est important, parce que j'utilise aussi bien ça qu'éventuellement, je veux dire, une flûte de pan ou une caisse claire ou je veux dire, ce qui me tombe sous la main finalement. Évidemment, ça, j'ai mis un certain temps à ce que ça me tombe sous la main, et maintenant je le garde.